Hop là, c'est comme ça qu'on crée l'effet de surprise. En vrai, c'est une ref faite par rapport à la vidéo précédente. J'ai pas compris. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va cuisiner des burgers au saumon. Voilà, c'est simple, efficace. Effectivement, on comprend vite. Voilà, on va tout faire de A à Z avec le Dritrix. On va commencer par se laver les mains. Donc, les amis, aujourd'hui, on va faire des frites, le burger. Et on va se régaler, tout simplement. La cuisine avec Romexo. La dernière fois qu'on a fait ça, on s'est régalé avec Jérémy. C'est dégueulasse. Après. Maintenant il faut que je commence à le faire cuire parce qu'il est congelé. Oh, donc je vais vous présenter les ingrédients. Parce que c'est quand même une recette qui est complexe, c'est pas vrai. C'est juste mon burger préféré quoi. Une petite recette quoi. Bien sûr il vous faudra des tomates. Et c'est tout. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rincer les patates, les découper de façon à faire des fritasses. Faut bouger en fait dedans comme ça. Il fait aucun effort. Oh ça va hein. Ça sent bien cette vidéo. Ouais. Bah en vrai c'est tuto un peu, t'as compris. Mais pas que tuto genre. J'aimerais bien que tu te pètes un doigt. Ça va plus de. Si chef Etchebest vous passez par là, n'hésitez pas à nous donner des conseils de cuisine. J'ai manqué de péter la main. Et c'est la fin pour moi. Je quitte cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Bon en fait là on est en train de faire des frites. On va fermer le temps qu'il y a la moto qui parte là. Putain de moto dans toutes mes vidéos. Ça va être l'assiette des condiments. Je sais pas ce que ça veut dire condiments, tu peux nous le dire. Les juteuses. Mettez l'huile, soyez généreux. Hein. Arrête de vouloir me tuer ça. Regarde, je te tue là. Ah tu prends une chaise. Les vrais chefs n'ont pas besoin de s'asseoir comme ils cuisinent. Oh ça va, oh. Mets-toi là en attendant et... Vas-y, raconte-nous un peu la relation que tu as avec moi quand je te demande une miniature. Bah en fait, il me suce. Ni une, ni deux. Nous, on est là pour manger. D'ailleurs, j'ai mis 60 fps sur la vidéo. On sait pas ce que ça change. Mais ça change. Alors là, il y a l'huile qui va beaucoup parler avec nous. Tu vois, elle est en train de nous parler là. Une astuce pour cuire le saumon, toujours très facile. Tu fais cuire par la peau. Après, tu retournes le saumon, tu peux enlever la peau comme ça. Comme si tu décalotais la chose. Je mets une par une, bon un McDo ils font pas comme ça. En vrai je peux tout mettre. Bah ouais, parce que ça va tout bien frire. Ah hop le tuto saumon, ça s'avère-t-il réel. Tu filmes tellement bien ma main. Et voilà le tuto saumon les amis, je vous l'avais dit. Ah je mets trop ta main. Le saumon là je vais l'effriter et le faire caraméliser avec des sauces. Putain, c'est pas pété de moi. Ah c'est bon. Il se pète de moi. C'est chaud, mais le tuto saumon s'avère exact. Il discute avec nous, il nous dit oh, cuisez-moi plus fort, plus fort. Pas trop mûr, hein. Et cette deuxième partie, je vais la mettre au four à 180 degrés. C'est pas vrai. Hein. On part sur le saumon qui caramélise de son côté. Donc on commence à l'effriter, toujours très important. On regarde où on en est frites, partie jingle. C'est pas vrai, j'aurais tapé, je sais pas. C'est trop patate. Et je me suis battu. J'ai une nouvelle lunette. Putain. Je vais goûter cet avocat. Il est craquant. Pas normal. Hein. C'est un peu faux après comme plan. Là. On va baisser un peu le feu. Très important de nettoyer les plaques après. Ça commence à sentir les frites, tu sens? Je vais ouvrir davantage les fenêtres. Quoi, cette façon de parler? C'est le jingle en fait. Je vais tomber. C'est le jingle frites. Merde. Je rigole, c'est un prank. Là, le saumon, vous voyez, commence un peu à... devenir un peu marronné, un peu à cuire quoi. On va commencer à rajouter les sauces. Ça va être famous, sim, sim. Tu serais pas bilingue des fois. Juste dyslexie. Tu coupes hein. Ouais. Ouais. Là, on va étaler, toujours bien étaler pour que la cuisson soit répartie sur tout l'ensemble de votre maison. Étale. Non c'est pas vrai, je me force. Alors pour un côté esthétique, on sent car l'oignon. On va juste enlever les oignons du milieu. Regardez en fait il y a des plantes et ça si on mange eh ben, ça grandit dans nous. Je suis pas sûr de cette info. De manière sincère et honnête. De manière sincère et honnête. Je me sens que elle cuise pas les frites. Pourquoi elle est crue la patate? J'en sais rien. Pourquoi ça cuit pas? Elle est crue la patate. Pourquoi ça croustille pas les frites pour ma main de... Il m'appelle lui. Les frites t'appellent. On a tous les ingrédients, vous dites. Le bon père. Ah mais oui, j'avais pas compris. Oui.
Pourquoi les frites, elles sont croustillantes, là? J'ai cru que c'était une carte, moi. Putain, mais aussi on s'est entraîné et tout. On se ferait une vidéo où on lance des cartes, en vrai. Oh, de ouf. Bonne idée, ça. Parce que on fait des vidéos chill qui vont faire 2 vues, mais on peut faire aussi des vidéos à la con qui vont faire 100 vues, ok? Le jingle carotte, elles sont pas croustillantes encore, les frites. En fait, on va manger burger purée. Ah, la patate a cuit. Je fais un zoom sur ta tête à ce moment-là. Ouais. Ça durcit, ça durcit. Non, ça durcit, regarde, c'est dur. J'ai craché dedans. Non mais putain. Je me sens si con, rien ne va dans cette vidéo. Rien, on fait rire les gens. Vous avez votre pain avec le fromage. On a préchauffé le four, on va mettre le pain dans le four. Attention, le jiggle frit. C'est quoi, il change de type? Allez, on est parti. Tu mets un peu du bébé cul. Ah mais moi du bébé cul. Je vais attendre mon plat signature. Je vais enlever les frites du four. C'est en aucun cas des frites. C'est pas faux. Ça croustille. Hop, on met le poisson, bien évidemment, dans le burger. Ensuite on prend le deuxième étage. Il y a un sésame qui est tombé dedans, ça me perturbe. Un avocat. La garniture en haut, bien évidemment. La sauce burger. Et voilà. Hop. C'est pas fini. Parce qu'il manque les frites. Les frites maison. Du coup, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Nous, on va se casser le Justin Bridon. Voilà. Je suis très